amour, compassion, gratitude, ce sont les mots clés de cette pleine lune du 1er octobre. L'amour, l'amour que vous devez vous porter à vous-même, l'amour qui est votre confiance en vous, l'amour qui est cette foi que vous avez en vous et en vos compétences. Cette pleine lune du 1er octobre, j'ai vraiment envie de vous l'amener comme ça, de vous l'amener avec cet amour que vous devez avoir pour vous-même. Cette compassion pour vous-même que vous devez également avoir, c'est-à-dire de la compréhension, de la tolérance. Ne vous mettez pas, ne vous comprenez, ne vous comprimez pas, ne vous forcez pas. Écoutez-vous. Écoutez pas. S'écouter, c'est pas flémarder ou rien faire. S'écouter, c'est être à son écoute et comprendre pourquoi. Pourquoi certaines choses vous sont difficiles pour soi. Pourquoi certaines choses peuvent être compliquées. Pourquoi c'est pas évident comme ça. Alors, on va commencer avec des tout nouveaux tarots que vraiment je viens de recevoir. Et celui-ci s'appelle Travailler sur votre lumière, work your light, voilà. Et donc ça me paraît vraiment le tarot approprié pour recevoir cette pleine lune du 1er octobre. Alors nous allons tirer plusieurs cartes pour comprendre comment vous allez apporter cet amour, cette compassion que vous devez avoir pour vous-même. Vraiment, message de cette pleine lune directement. Alors, là, la première carte, c'est « Créer le paradis sur terre ». Cela arrive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ne vous projetez pas sur des possibilités futures, ne vous projetez pas sur « c'est mieux ailleurs ». Non, non, votre présent est là où vous pouvez créer votre bonheur, c'est là où vous pouvez créer votre plaisir. Cherchez dans les moindres petites choses du quotidien ce que vous pouvez vous faire comme plaisir réel. Alors, comprenez que si vous faites quelque chose qui, sur le coup, est purement un plaisir et qui ensuite va devenir une contrainte ou qu'ensuite va devenir quelque chose de lourd, c'est que vous n'avez pas puisé ce plaisir dans quelque chose de positif. Vous l'avez généré suite à une pensée, une frustration, un sentiment négatif. Mettez-vous d'abord dans une disposition d'esprit positive. Et cette pleine lune là qui arrive, elle va vous permettre ça. C'est une pleine lune d'automne, c'est une pleine lune de richesse et d'abondance. Hein. L'automne est la richesse et l'abondance. Et donc, dites-vous bien que vous avez tout ce qu'il faut pour créer votre propre petit paradis, ici, là, sur Terre, dans votre environnement. Mais ça veut dire vous mettre dans cette bonne disposition d'esprit, d'accord? Donc, premier message de cette lune du 1er octobre, c'est mettez-vous dans la disposition d'esprit que c'est le paradis autour de vous, que vous êtes. Mais ça veut dire focalisez-vous sur ce type de pensée. Deuxième, c'est vous êtes justement en quête d'appartenance. Vous êtes en quête de votre maison. Vous êtes en quête de votre lumière initiale. Eh bien, c'est ça. Dites-vous que cette pleine lune, justement, va vous permettre de revenir à l'intérieur de vous, dans votre auberge, dans votre environnement, mais celui de votre cœur, de votre âme, de qui vous êtes. N'allez pas chercher les choses en extérieur. Cette pleine lune nous demande de rentrer dans son royaume personnel, de rentrer dans votre lumière à vous. D'accord? On va regarder aussi le message du tarot de la conscience, parce que c'est vraiment ça, hein, cette pleine lune, c'est vraiment ça, c'est la conscience. Qu'est-ce que cette conscience a à vous apporter? Alors, la carte va arriver, voilà, c'est celle-ci. Ah, ben, il y en a deux finalement. Donc, on dit que vous avez des guides spirituels et la terre est un élément important pour vous. Donc, on vous demande d'ouvrir votre cœur à vos guides et de croire à leur sagesse. Donc, ouvrez le cœur à vos guides et croyez à leur sagesse. En fait,
C'est vous qui êtes votre propre guide et croyez vraiment que vous êtes quelqu'un de sage. Vous savez ce qu'il vous faut. Ne faites pas ça à partir de frustration, faites ça à partir de choses positives. D'où l'élément ici qui arrive en plus, celui de l'élémentaire. Et cet élémentaire nous parle d'ancrage. Voyez, toutes ces quatre cartes qui sont issues de deux oracles que j'ai vraiment voulu étant dans des oracles de conscience et des oracles de lumière et de voix sur votre conscience. J'ai un autre tarot qui s'appelle la voix de la conscience. Je ferai probablement bientôt un tirage là-dessus. J'ai déjà fait une grande série sur ce tarot qui est assez complet. Donc je reviendrai peut-être également dessus. Mais là, si vous voulez aller le voir, il est par signe. Donc vous pouvez aller voir la voix de la conscience, ce tirage pour compléter. Mais en tout cas, ici, là, aujourd'hui, pour cette pleine lune du 1er octobre, eh bien, il faut vous ancrer. Il faut vous ancrer dans la certitude de l'amour de vous-même. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Ayez foi en vous-même. C'est cette lune, cette pleine lune du mois de début d'octobre. Donc, c'est le début d'automne. C'est l'abondance. C'est vraiment... Tout est là. Alors je sais, il fait pas super beau, il pleut un petit peu, mais dites-vous bien que justement cela va vous permettre de vous poser, de vous centrer, de vous coucouner dans votre maison, de bien vous rendre compte que le paradis, c'est ce que vous créez, c'est votre environnement, c'est votre environnement psychologique, votre environnement psychique, c'est sur ça que vous devez travailler. Soyez dans l'amour de vous-même. Dans l'amour et la compassion de vous-même. C'est le message clé de cette pleine lune du 1er octobre, l'amour et la compassion pour vous-même. Moi, je vous aime, je suis sûre que vous êtes tous des personnes formidables, mais j'ai même pas à avoir de doute dessus, vous êtes tous des personnes uniques et absolument formidables. Je vous envoie toutes mes énergies d'amour pour cette pleine lune d'octobre, d'amour et de compassion. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et à bientôt. Au revoir.